Une fois de plus, je vous demande de vous lever pour que nous puissions lire la parole. Banjembo kama yoko na tuku misatu na libwa. Psaume 139. Zirabutangi tuku mibali na misatu kino tuku mibali na mine. Verset 23 et verset 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Et quand j'ai, ô Nzambe, paye ba moté malangai. Éprouve-moi et connais mes pensées. Mais quand j'ai, paye ba makanisi nangai. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Tala, soki nazali nanzela yamabe. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Betambisangai likolo ya nzela ya yala yala. Amen. Amen. Tokoekova. Pouvons nous asseoir. Tika yemei asopa mapambuli likolo ya litanga liloba kati na kombo ya Nkolo Yesu Kristo. Laisse que lui-même déverse les bénédictions sur la lecture de la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Balingami katina nkolo. Bien-aimé dans le Seigneur, kakandenge tuka kilobiruleki. Comme nous avons écouté hier, awa ici, ezande David ya kosenga nkolo apima ye. Ici c'est David qui demande au Seigneur de l'éprouver, de le sonder. De le sonder apima ye. De le sonder pe amekaye. Et de l'éprouver. Mais Paolo. Mais Paul. Lui nous a demandé de nous examiner. Tomi meka. Nous a dit de nous examiner. Tomi meka. De nous éprouver. Petomi tala. Et de nous examiner. Soko. Si. Tozali katina kundima. Nous sommes dans la foi. Pona koyeba soko tozali katina kundima. Pour savoir si nous sommes dans la foi. Tomi meka bisomei. Nous éprouvons nous-mêmes. Éprouvons-nous nous-mêmes. Que nous puissions nous éprouver nous-mêmes. Éprouvons-nous nous-mêmes. Comme il me cabisse mon corps. Voilà. C'est à l'impératif. Ezali mitindo. Allo, Isa,
Ce n'est pas quelque chose de blague. Ici, c'est un croyant qui demande à Dieu de le sonder et de l'éprouver. Et tout cela pour que Dieu puisse savoir. Pour que Dieu connaisse. Pour que Dieu connaisse. Alors, mais sonde-moi, ô Dieu. Il dit, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu. Puis, mangai on zambé. Et connais mon cœur. Peyeba mote manangai. Amen. Voyez. Sogoto koko zwa na Yirimia. Si nous pouvons prendre Jérémie. Na Yirimia totangi bui. Dans Jérémie, nous lisons ceci. Zira mokapo mozomi na sambo. Chapitre 17. Ben zela ya botangi di bois. Et au verset 9. Qui nous zomi. Jusqu'au 10. Le cœur. Motema. Est tortueux par-dessus tout. Ezali na nyoka nyoka likola ya nyos. Et il est méchant. Pe ezali kanza. Ça, c'est l'état du cœur. On est allé le lingue à mon thème. Le cœur est tortué. Thème est allé nyoka nyoka. Par-dessus tout. Le colo ya nyonso. Et il est méchant. Pe zali kanja. Maintenant, qui peut le connaître? Nani akoki koye bayango? Qui? Nani? Mais David, lui, Kasi David, yé, il dit, sonde-moi. Alobi pimangai. Oh Dieu. Oh Nzambe. Et connais mon cœur. Peyeba mote manangai. Parce qu'il est le seul. Nzambi azali yemoko. Qui sonde le cœur. Azali kopima motema. Et qui peut le connaître. Pe akoki koyeba yango. Ah ouais, Amutuna. Ici, c'est une question. Le cœur est tortué et est tortué par-dessus tout. Il est méchant. Et qu'est-ce que c'est? Qui peut le connaître? Peza Amutuna ya Biblia. C'est une question biblique. Et demande une réponse biblique. Moto akoko yeba motema. Celui qui peut connaître le cœur, Bobelenza. C'est seulement Dieu. Obi, qui peut le connaître? Nani akoki koyeba yango? Dieu seul peut le connaître. Nzambe ye moko kaka nda koyeba yango. Omoni. Vous voyez? D'ailleurs, ce qu'on dit à verset 9 fois, si na, vous prenez seulement les versets 9, le cœur est tortué, nyoka nyoka, par-dessus tout, nyonso, il est méchant. Qui peut le connaître? Lui-même donne la réponse. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur et je sonde les reins. Seulement moi, l'Éternel, qui sonde le cœur et qui les connaît, personne d'autre. Vous voyez? Paul dit ceci. Oui. Nangala Oyaye. À son tour. Nabaye Bereminei. Dans Hébreux 4. Atali Sibiso. Il nous montre. Et Alobiboy. Et il dit ceci.
Verset 12 du chapitre 4. Verset 12 du chapitre 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Mokuwa pe mai nakati mokuwa. Mafuta. Mafuta mokuwa. La parole de Dieu. Ilobango ya Nzambe. Elle juge les sentiments. Ezali kosambisa biposa. Et les pensées du cœur. Pe makanisi ya motema. La parole de Dieu. Ilobango ya Nzambe. La parole de Dieu. Ilobango ya Nzambe. Et Dieu. Ezali Nzambe. Au commencement. Na ebandeli. Était la parole. Ezalaki liloba yango. Et la parole. Pe liloba yango. Était auprès de Dieu. Ezalaki epai ya Nzambe. Auprès. Epembeni ya Nzambe. Et la parole. Pe liloba yango. Était Dieu. Ezalaki Nzambe. La parole qui est Dieu. Liloba yango oyo ezali Nzambe. Qui était. Oyo ezalaki. Qui est. Oyo ezali. Et qui sera toujours Dieu. Oyo ezalaki tango nyonso Nzambe. Voyez. Bomoni. Et ça kanini. Qu'est-ce que ça fait. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ezali kosambisa biposa pe makanisa motema. C'est seulement la parole de Dieu. Et tant que nous sommes ça, ça, elle juge les sentiments. Et les pensées du cœur. C'est-à-dire, elle connaît. Elle connaît. Parce qu'elle les juge. Yango tozo yoka. C'est pourquoi nous écoutons. Quand nous venons à l'assemblée, on dirait que le prédicateur a vu les choses que j'ai faites. C'est comme si le prédicateur est entré dans mon cœur pour voir mes pensées. Oh, ce n'est pas le prédicateur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui agit comme ça. Parce que la parole que le prédicateur prêche, c'est Dieu. La parole est Dieu. Cette Bible est Dieu sous forme de livre. Vous voyez? Donc, elle juge. Au monde en agent, et vous allez voir dans Jean, le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit ceci. Dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette, et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. Azali na mosambi sinaye. Il a son juge. Azali na mosambi sinaye. Azui. A son juge. Azui mosambi sinaye. Et mosambi siango. Et ce juge. La parole que j'ai annoncée. Yo bayango oh na sakoli. J'ai annoncé. On a sakola qui? C'est elle qui le jugera. Ezali yango nde ko sambisa ye. Au dernier jour. Na mikolo ya su, na mokolo ya suka. La parole juge. Liloba yango e ko sambisa. La parole juge. Liloba yango eza ko sambisa. Et elle le jugera. Pe e ko sambisa ye. Au dernier jour. Na mokolo ya suka. Elle me juge. Eko sambisa. Elle te juge. Eko sambisa yo.
Il est le juge. Ezo sambisa ye. Elle nous juge. Ezo sambisa biso. Et elle vous juge. Ezo sambisa bino. La parole. Liloba yango. La parole juge. Même à présent, les sentiments et les pensées du cœur, elle juge. Et elle jugera au dernier jour. Vous voyez? Parce que la parole connaît toutes choses. Parce que la parole est Dieu. C'est Dieu qui sort. C'est la parole qui sort. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Et Dieu est la parole. C'est la parole qui connaît toutes choses. La Bible dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur. Abi, il dit, car Nzambi, je ne pouvais parler de moi-même. Na loba kite na o etalinga imoko. Uta. Na loba kite uta na ngai moko. Mais le Père, kasi tata, qui m'a envoyé, oya tinda kingai, m'a prescrit lui-même. Pesa akomela kingai moko. M'a prescrit lui-même. Tindaki a kombela kinga yemoko m'a prescrit lui-même ce que je dois dire oh na sengeli koloba et annoncer beko sakola. C'est comme ça un envoyé de Dieu ndebo emotinda minanga un prédicateur oh motei moko doit prêcher atinda mina makasi kote oh nzambe ase ko prescrire ce que Dieu lui a prescrit dans sa parole. Vous voyez? C'est comme ça que nous nous croyons. Et le modèle, c'est le Seigneur. Le fils de l'homme. Mais cela prescrit. Mais cela doit être prescrit. C'est comme ça que nous nous croyons. Matthieu 28. On comprend tout comme il baye na mwambe. Amen. Vous voyez? Verset 19. Molongo ya zomi na libwa. Allez. Bokende. Faites de toutes les nations des disciples. Mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les baptisant en mon nom. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit, c'est ça. Bino ba yokoli. Vous les disciples, vous les envoyez que j'ai envoyé. Vous allez les enseigner cela. Vous allez enseigner les disciples. Ces disciples-là. Ces disciples. Et voici. Je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Ça aussi, c'est ainsi dit le Seigneur. Il est avec nous tous les jours. Amen. Du dimanche au samedi, il est avec nous.
Pas il était. Mais il est. Kasi azali. Le grand je suis. Oh, azali, mozali ya monene. Le grand je suis. Nazali yango. Nazali yango ya monene. Voilà. Il est avec nous. Azali elongo na biso. Cela, c'est tous les jours. Yango mikolo nyonso. Jusqu'à la fin du monde. Kino na suka mokili. Amen. Amen. Ezande bongo. C'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Car je ne peux parler de moi-même. Non. De moi-même. Outa. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement. Lilako. Et la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, les choses, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà. Me les a dites. Non. Me les a. Voilà. Je ne change rien. Aucune modification. Ajoute tes retranches à ta bocoté. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. C'est comme ça, modèle d'un vrai envoyé. C'est ça le modèle d'un vrai envoyé. Envoyé à solo solo, à Sengeli Koloba Makambo. Il doit dire des choses. Enge benena yango motindi na ye alobela kiye. Conformément à ce que son envoyé lui a envoyé. Lui a dit. A bongo le lokote. Il ne modifie rien. Il n'ajoute rien, il ne retranche rien. C'est ça la charge d'un prédicateur. Responsabilité à moi. C'est ça son responsabilité. Les Écritures. De répéter les Écritures. Comme le disent les Écritures. Dire des choses comme le disent les Écritures. Toujours comme le disent les Écritures. Hey. Voyez, frère. Et le Père a son commandement. Lilakonaye. Et ce commandement, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Omoni, vous voyez? La parole est juge. Et Paul a compris. Il dit, Azoloba, la parole de Dieu Lobangoyanzambe est vivante Zalabomoy et efficace. Makasi. Elle juge Zosambisa les sentiments Miyoki et les pensées du cœur. Pas elle jugera. Zosambisa te, maintenant même, Zosayipi, elle juge. Zosambisa. Mais au dernier jour, Zosambisa. Elle jugera. Zosambisa. Et à présent, Zosayipi, elle juge. Zosambisa. Car le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. 1 Pierre 3. Oui, frère. Oui, frère. Oui, bandeko. Voyez, c'est comme ça que nous croyons. On ne croit pas d'une autre manière. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer.
Mais il doit commencer par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. C'est le moment. Car c'est le moment où le jugement, où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement par la parole de Dieu qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Le moment est là. Oh, Nzambi, si c'est par nous, nous qui sommes la maison de Dieu, que le jugement commence. Mais dans quelle sera la fin? Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Voilà. Oui. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, quelle sera leur fin, frères et sœurs? Comme il commence comme ça. Quelle sera leur fin? Parce qu'ils n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Vous voyez, évangile ekosenga botos. Ça demande l'obéissance. Et botosi, et l'obéissance, nde yangona kondima. C'est ça la foi. Botosi nde yangona kondima. L'obéissance, c'est ça la foi. Esaïe nangala naye. Esaïe à son tour. Alobaki. Il a dit, Seigneur, Kolo, qui a obéi à notre évangile. Na sangola munabiso. Si tu lis Romains 10, verset 16, qui a obéi à notre évangile, à notre bonne nouvelle, vous voyez, vous voyez, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou la parole de Christ, c'est la même chose. On n'a pas besoin de philosophie. Non. Dieu est Christ, et Christ est Dieu. C'est comme ça que nous croyons. Et au moni, vous voyez, Seigneur, Kolo, ils n'ont pas obéi à notre évangile. Mais ensuite, car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils n'ont pas obéi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cru. C'est ça. Celui qui croit obéit. Celui qui ne croit pas désobéit. La foi, ce n'est pas dire. Non, parler. La foi, ce n'est pas parler. Kondima. La foi. Il dit koloba te gozoloba. Malobawana. Des paroles. Ce ne sont pas des paroles. Parler, parler. Parler koloba, koloba. Non, et ce n'est pas la foi. Eza kondima te. La foi est dans le cœur. Kondima yango ezali kati na motema. C'est Dieu qui sonde le cœur. Zambenda zali kopima mitema. Et qui connaît le cœur. Dieu regarde le cœur. Il traite avec le cœur. C'est un croyant du cœur. On ne croit pas par les lèvres, par les paroles. Mais c'est un croyant du cœur. C'est ici. Kakawa. Ici. Kakawa. C'est pas loin. Kakawa. Ici. Quand est-ce qu'on appelle cette citation? Ici, là où j'ai donné la citation. Qui en goûte, mais tout en on va lire. Vous voyez, tout en a guidé, mais tout en a. On n'avait pas lu, on va lire. Ici. Romains 10. Dans Romains 10. Verset 8. Que dit-elle donc? Ni n'anga lobi donc, oh ya lobi. La parole. L'iloba yango. Est près de toi. Ezali pemeni na yo. Dans ta bouche. Kati na monoko na yo. Et dans ton cœur. Kati na motema na yo. Oh. Zambi.
La parole qui est auprès de toi, qui est dans ta bouche, et dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. L'évangile est la parole de la foi. Celui qui croira, l'évangile est la parole de la foi. Il est digne de foi. C'est ce que nous devons croire. C'est l'évangile. Parce qu'il est la parole de la foi. Mais le Bamasus aux Anna drone du matin. Tu n'as même pas besoin. Tu n'es pas obligé. Tu n'es même pas obligé. Si vous avez vu Malobana, il faut y aller. Quelqu'un dit ces paroles, refuse. Les âmes Malobana gondi matin. Ce n'est pas la parole de foi. Mais la parole de la foi, c'est l'évangile. C'est la parole que nous prêchons, qui est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Ce que nous prêchons, c'est l'évangile. Et l'évangile est la parole de la foi. Nous prêchons l'évangile. Et l'évangile est la parole de la foi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, ou Jésus est le Seigneur, ou Jésus est le Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Et non, il n'y a pas d'église. Yes. Que Jésus est le Seigneur. Yes. Azalinkolo. Poitre. Vous voyez? Si tu confesses de ta bouche que Jésus de Nazareth, Nazareth est le Seigneur, le Seigneur de gloire. Et si tu crois, ce qui ont dit mi, la confession, yambola, c'est par la bouche, c'est dans la bouche, de la bouche, on confesse. Vous voyez, frère, on ne croit pas dans la bouche ou par la bouche ou de la bouche. Non. Moi, je crois, moi, je crois. Ça ne dit rien. Vous voyez? Ça, ce serait une confession. Mais la confession, elle est où dans le cœur? Elle doit venir du cœur. Sinon, tu seras hypocrite. Sinon, tu seras un hypocrite. Tu parles une chose, et dans le cœur, il y a une autre chose. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais, si tu confesses, si tu avoues, confesser, c'est avouer. C'est avoué. Si tu avoues, si tu confesses, ou si tu déclares, si tu déclares, c'est la pensée ici confessée. Confession, awa. Confession ici. Et ça, il y a que tout, mais la masoumou, ce n'est pas confesser les péchés. Et ça, déclaration. Ponce Pilate. Asra qui une belle confession. Il a fait une belle confession. Belle confession à Ponce Pilate et Zaki Yakotou Belamasou. La belle confession de Ponce Pilate, ce n'était pas pour confesser ses péchés. Et ça, il a dit. C'est ce qu'il avait dit. Namouniata Mabe Bogote Pone. Il n'a vu aucun mal sur lui. Non. Non. Il ne méritait pas la mort. Abongina Liwate. C'est ça sa belle confession. Il y a un Messie. Au sujet du Messie. Je n'ai vu aucun mal qu'il a fait. Il n'a rien fait. Il a confessé cela.
Il a déclaré cela. Il a avoué cela. Parce qu'il faut, dans la Bible, il faut qu'on ait un contexte. Dans la Bible, il faut connaître le contexte du mot. Ah, vous allez, confession, tu es là. Et si la confession, ce n'est pas dire pardonne-moi. Parce que ce n'est pas ça. C'est qu'on déclare. Ça, c'est déclaré. Voyez. Vous voyez. Et si tu crois. Mais ceux qui ont dit mi. Ceux qui ont dit mi. Si tu crois. Ceux qui ont dit mi. Dans ton cœur. Non pas dans ta bouche. Dans ta bouche, c'est la confession. Mais dans ton cœur, c'est la foi. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois confesser dans ta bouche. Car la bouche parle de l'abondance du cœur. Et si le cœur a cru, et la bouche parlera, déclarera, confessera. Voyez. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. À ce qui ça qui est. Voyez, frère. Comment les bandeko? Des morts. Où t'en as bakoufi? Toi. Yo. Avec ces deux choses. Na babiloko omi balé. Ta foi. Kondi manayo. Dans ton cœur. Kati na motema nayo. Ta confession. Oyambola nayo. Dans ta bouche. Kati na monoko nayo. Tu seras sauvé. Okobi kisama. Amen. Jamais motoko lo bagenazi nandimi personne au confessa personne ne dit que j'ai été témoigne pas non Dieu a besoin de notre confession c'est de notre déclaration tout la biso polele oh kolo nandimi oh Seigneur je crois c'est très bien c'est pourquoi tu as jour à bâtir pourquoi même les jours de bâtir on te pose la question on te pose une question de quoi est-ce qu'on dit et tu dois confesser déclarer que nandimi et je crois que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois qu'il est mort pour moi. Moi, je crois cela. Je confesse. J'avoue. Je déclare. Amen. Amen. Et d'ailleurs, le baptême, c'est sur base à confession de la ah, oui. Et confession, wana, et cette confession, c'est là que venir du parce que mon thème a dit que c'est le cœur qui a cru. Et la bouche a déclaré. Et si c'est ainsi, tu seras sauvé. Ce n'est pas naïve, si c'est toi, c'était comme ça. Tu es sauvé. Obikisami. Il t'a sauvé. Abikisio. Amen. 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 Vous voyez? Pourquoi? Verset 10. Car Zambi, c'est un croyant du cœur. C'est un croyant. Du cœur. Qu'on parvient à la justice. À la justice. C'est un croyant comme ça. Du cœur. Qu'on parvient à être justifié. C'est-à-dire à la justice. Signifie à être justifié. Car état justifié par la foi. Non, car état justifié par la foi. Voilà. C'est comme ça. Ce n'est pas des pensées. La foi. Vous voyez? Car c'est un croyant du cœur. Zambi, na kondi maka uta la motema. Car c'est un croyant du cœur. Amikati na kondi maka uta la motema. Qu'on parvient à la justice. Ndeba komaka na kiboyenge beni yango.
Et c'est à confesser de la bouche. Qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Voyez frère, quiconque croit en lui ne sera point confit. Et il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, et ce même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Mais on évoque le nom du Seigneur. C'est par la bouche qu'on confesse. Vous voyez, frère, comme nous l'avons dit ici, si tu confesses de ta bouche Jésus est le Seigneur. Voilà. Vous voyez? Le Seigneur, son nom, c'est Jésus. Alors Jésus de Nazareth, si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, car quiconque invoquera le nom du Seigneur, et le nom du Seigneur, c'est Jésus, sera sauvé. Amen. Amen. C'est comme ça que nous nous croyons. Pas autre manière. Si tu prends acte des apôtres, il est écrit ceci. Conformément à une chanson de David, il est écrit ceci. Dans la prophétie de Joël. Verset 21 et acte 2. Acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La main est faible. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il sera même délié. Il sera franchi. Libéré. Voyez, frère. Et il sera guéri. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri, sera sauvé, sera délié, affranchi. Même dans le danger, si tu invoques le nom du Seigneur, miracle est opéré. Amen. Et le nom du Seigneur n'est pas Seigneur. Le nom de Dieu n'est pas Dieu. Mais le nom du Seigneur, c'est Jésus. Le Seigneur Jésus. Jésus est le Seigneur. Et le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le nom de Dieu, c'est le nom du Père. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Je vais garder ce que tu m'as donné en ton nom, en ton nom que tu m'as donné. Et le nom du Père, c'est le nom du Fils. Ou le nom du Fils, c'est le nom du Père. Je suis venu au nom de mon Père. C'est dans ce nom-là que je suis venu. Et vous ne me recevez point. Et pourtant, mon père s'appelle comme moi.
Amen. Amen. C'est comme ça. C'est ça, bongo. Pas autre chose. Mamoni. Vous voyez? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'ai bien. Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ben, 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru en lui. Comme lui-même avait dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive, croire en moi, comme dit l'Écriture, selon ce qu'a dit l'Écriture. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Alors, parler ici, signifie prêcher. Et comment en entendront-ils parler? Boni bakoyo kakoloba na tina na yango katinaye on entendropi est-il parler boni bakoyo kakoloba katinaye ah voyez frère boni bandeko prêcher côté ya si il n'y a personne qui prêche toki moto à côté ya zate parler ici c'est la prédication kakoloba likoba likité si il n'y a personne qui prêche toki moto à côté ya zate. Et comment y aura-t-il des prédicateurs boni ekozana batei? Parce que celui qui prêche est appelé prédicateur. Et comment y aura-t-il des prédicateurs qui ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Tosimba obéit. L'obéissance. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, Kolo, qui a cru à notre prédication? Nalite, qui a cru ici? Suffit qui a obéi. Qui a obéi à notre prédication? Tous n'ont pas cru à notre prédication. Ou tous n'ont pas obéi. Car celui qui croit obéit. Si vous voyez quelqu'un dire par parole, il croit, il n'obéit pas, c'est un menteur. Azali Mokosi. Il y a beaucoup de menteurs dans les assemblées. Dans le monde des adorateurs, il y a beaucoup de menteurs. Tiens, mets les doigts là-bas. Yoka Jean. Écoute Jean. Pour connaître ça définitivement. Si tu es menteur ou vrai. Vous voyez? Un Jean. Chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu.
Celui qui dit ici sont, ne sont que des paroles. Celui qui dit, qui parle, moi je les connais. Et qui ne garde pas ses commandements. Qui n'obéit pas à ses commandements. Qui n'observe pas ses commandements. Est un menteur. Un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Ezali kati na yeso ki mokete. La vérité qui est la parole de Dieu. Dont David a dit. Oh David alobaki. Tu veux que la vérité olingete solo yango soit au fond du cœur. Ezala na kati na bozinda motema. Un tel homme. Moto alolengo. La vérité n'est point en lui. Solo yango ezali kati na yete. Dans son cœur. Kati na motema na ye. Il ne la croit même pas. Azondi mata yango te. Voyez, un menteur. Et le menteur n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Le menteur. Omoni me étalon ya mesure. Vous voyez les talons de ceux qui tombent qui ko pimango na biso na biso. Nous les mesurons entre nous. Nous serons et nous découvrons beaucoup de menteurs. Mon père que moi je suis un menteur. Que ma femme est menteuse. Moi découvert que mon père est un menteur. Que mon homme est menteur. Tu que moi n'a plus un menteur. Que notre fils est menteur. Que tata la maman va menteur. Que papa et maman sont menteurs ici dans la maison. Que menteur ici dans la maison. Église que mon king est un menteur. Que le berger est un menteur. Mon que les diacres sont des menteurs. Les diacres sont des menteurs. Les prédicateurs sont des menteurs. Les frères sont des menteurs. Les sœurs sont des menteurs. Les frères sont des menteurs. Menteuses et menteurs. Menteuses et menteurs. Et finalement, on commence à nombre et à la vérité. Le nombre de véritables. Il y a pas vrai croyant. Vrai croyant. Ça sera réduit. Assemblée cotonne dans bas menteur. L'assemblée sera pleine de menteurs. Allons nous bien sur la biseau. Que Dieu nous aide. Pour Toby Maten, alors mes colons n'ont pas menteur. Nous ne pouvons pas sortir de cette épreuve comme des menteurs. Résultat, il ne s'agit pas de menteurs. Que les résultats ne puissent pas nous faire. La Bible nous recommande de nous éprouver nous-mêmes. Éprouvons-nous nous-mêmes. Et éprouvez-vous vous-mêmes. Et cela pour savoir si nous sommes de vrais croyants ou de menteurs. Si nous croyons ou si nous ne croyons pas. Ou si nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas dans la foi. Et cela, c'est pour savoir. Et maintenant, c'est le temps de savoir. Je sais que je suis dans la foi. Voyez, frère, nous devons savoir. Quoi vous voyez? David a loubaké. David a dit. Sonde-moi. Pimangai. Et connais-moi. Paye bangai. Éprouve-moi. Et kangai. Et connais-moi. Paye bangai. Et Dieu. Benzambe. Nous sonde. Azo pima. Et il nous connaît. Paye bibiso. Il nous éprouve. Azo meka biso. Et il nous connaît. Paye bibiso. Il connaît celui qui croit et celui qui ne croit pas. Celui qui est dans la foi, celui qui ne l'est pas. Dieu connaît, car il connaît tout homme. Il connaît tout homme. Jean, Yohane, chapitre 2. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous lisons ceci. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Oui. Oui. Na verset 22. Au verset 22. C'est pourquoi. Détina wana. Na verset Aliboso. Au premier. Non. Na verset 19. Na verset 19. Jésus leur répondit. Yesu apesi bango yano.
Comme vous voulez un miracle. Détruisez ce temple. Et en trois jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et Sengela qu'il a fallu. Et Sengela Kimbula Tukumine na motoba pour la kotele misa temple oyo. Bâtir. Pour la kotonga temple oyo. Et toi? Un petit homme comme toi. En trois jours. Tu le relèveras. Ce n'était pas une question. C'était un étonnement. Tu le relèveras. C'est un point d'exclamation. C'était un point d'exclamation. Toi. Yo. Toi. Dit aussi, je vais le relever. Yo. Toi. Toi. Ah. Mais Jésus, il parlait du temple de son corps. Le seul lieu d'adoration. C'était son corps. Le temple de Dieu. Oui, frère. Il parlait du temple de son corps. Là où Dieu a mis son nom. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Il avait dit cela. Que je le reverrai en trois jours. Et ils crurent. À l'écriture na likomi yango et à la parole na liloba yango que Jésus avait dit oh Yesu alobaki que je le relèverai et na kotele misa yango et ils crurent à deux choses ndimaki biloko mibale d'abord à l'écriture yango na likomi yango je n'abandonnerai point na kotika soki mokete. Il ne m'abandonnerait point. Il n'abandonnerait point. Son loin. Voyez la corruption. Voyez ouais, frère. C'est la prédiction, la prophétie concernant la résurrection du Messie de son corps. Et comment on ne peut pas la corruption. Et ils crurent à cette écriture des psaumes. Et aussi à la parole. Oh, yes, je le relèverai en trois jours. Et quand nous prêchons, nous parlons de Jésus. Et il faut que l'écriture confirme. Et quand vous croyez premièrement à l'écriture et à ce que le prédicateur a dit. Mais ce que le prédicateur a dit, si l'écriture ne confirme pas, il ne faut pas croire. J'ai dit et je répète, ne croyez pas cela. Amen. Commencez d'abord à croire ce qu'a dit l'Écriture. Et ensuite, ce que le prédicateur vous a prêché. Parce que ce qu'il vous a prêché est conforme à l'Écriture. Voyez, frère. C'est comme ça que nous croyons. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Voyez les miracles qu'il faisait. Et à cause de ces miracles qu'il faisait, beaucoup crurent en son nom. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Ne se fiez point à eux. Voyez, frère. Pourquoi?
Parce qu'il les connaissait tous. Zambi ayebeki bango nyoso. Il les connaissait tous. Ayebeki bango nyoso. Et non pas seulement parce qu'il les connaissait tous. Les ali kaka te po ayebeki bango nyoso. Et parce qu'il n'avait pas besoin. Pamba ta zali na bosenga te. Et parce qu'il n'avait pas besoin. Qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Non. Que Seigneur, tu sais, tel est ta cri, tel est tes loups, tel est tes thèmes. Non. Il n'avait pas besoin de cela. Qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même. Il savait lui-même ce qui est dans l'homme, dans son cœur, et dans son esprit, et dans sa pensée, et dans ses rêves. Il est la parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que ça pourrait être clair? Même ce soir, attends, il n'a pas besoin. Il connaissait Job. Il n'a pas besoin qu'on lui dise comment Job vivait. Non. Il le voyait, il le connaissait. Et il connaissait aussi ce qui était dans Job. Mais Satan ne connaissait rien. Mais Satan ne savait rien. Il y voyait Job, mais il ne connaissait pas ce qui était dans Job. Mais Dieu connaissait. Ouais, frère. Dieu peut te témoigner. Et son témoignage est vrai. Mais un homme peut témoigner de toi. Il peut se tromper. Il peut se tromper. Parce qu'il ne te connaît pas. Et non pas Dieu. Dieu ne peut jamais se tromper. Car il connaît ce qui est dans l'homme. Il connaît l'homme. Et ce qui est dans l'homme. Il connaît le nombre de cheveux de l'homme. Même nombre et battement de son cœur. Comment le cœur bat? Asi ayeba. Il connaît. Qui nous n'a gon yasuka? Ayebiango. Il le connaît. Omoni ba paupière. Vous voyez les paupières? Ayebi motango. Il connaît le nombre. Tango yoko botama. Combien de fois ça? Combien de fois tu vas clignoter? Ayebango. Il est Dieu. Amen. Ce que nous avons besoin de son épreuve, de son test, de son examen. Il y a examen. Tu crois combien gagner, Seigneur? Tu peux l'appeler Seigneur. Oh mon Dieu. Examine-moi. Pour me connaître. Seigneur. Sonde-moi. Seigneur, éprouve-moi. Éprouve-moi. Et Dieu Benzambe, nous examine, nous sonde, ouais, frère, et nous éprouve au moyen de sa parole. C'est toujours pas sa parole. Et puis, quand les choses nous arrivent, c'est au sujet de la parole. C'est la parole qui te prouve. Qui te sauve. Il faut m'accommander qu'on est comme là. Parce que c'est sûr que des choses t'arrivent. Parce que tu as appris. Parce que tu as entendu la parole. Tu as écouté la parole. Et tu as dit, je la crois. Je la crois. J'ai la croix. Il faut que tu sois éprouvé. Il faut que tu sois éprouvé. Par la même parole. C'est là que tu as dit. Il y a des choses qui doivent t'arriver pour t'éprouver, pour te tester. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Chacun de nous est éprouvé par Dieu et Dieu est la parole. Il est éprouvé par la parole.
examiné par la parole, contrôlé par la parole, testé par la parole. C'est la machine à tester de Dieu. Vous voyez? Vous savez, dans la Bible, si vous regardez la personne comme Daniel, il était croyant. Il était éprouvé par la parole. Par la parole. Examiné. Il était examiné par la parole. Par la parole. Testé par la parole. Testé par la parole. Si vous regardez Meshach, si vous prenez Meshach, Abdener, Abden, hein, na Shadrach, et Shadrach, mais parce qu'il testé par la parole. Ils étaient testés par la parole. Et ceux qui étaient vainqueurs. S'ils étaient su comme vainqueurs. Comme croyants. Comme des croyants. Et ça qui des résultats à test. C'était les résultats du test. Résultat épreuve. Résultat de l'épreuve. L'épreuve. Copie maman. Et ceux qui étaient pas yopés moi. Ne viens pas pour que tu sois. Et ceux qui a pas. Ça vient quoi pour confirmer au yoga. Pour confirmer ce que tu es. Il ne faut pas éviter l'épreuve. Il ne faut pas éviter l'épreuve. Il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir. Ou contourner. Ou contourner. Mais accepte. Yamba. Et accepter l'épreuve. Demandez même l'épreuve de Dieu. Pour que tu sois confirmé. En tant que croyant. Dans l'épreuve. Est-ce que toujours là? Est-ce que nous suivons? C'est comme ça. Au moins dans le désert. Vous voyez, dans le désert. Prévenions ce bango parce que les épreuves qu'ils ont connues. Oh, nous avons lui dit. J'étais humilié. Qui dit ça qui est? Au moins. Ouais. Oh, yo Moïse, berger. Oh, Moïse, azo yebisabango. Leur disant. Dieu. T'as humilié. À qui dit ça qui on a fait? T'as éprouvé. À mes cas qui est? C'était pour savoir. Pour confirmer ce peuple qu'il est mon peuple. Mais c'était pendant cette brève-là, couleur et abamoko, le visage des uns, couleur, mon corps et abamoko, et y a quand on monte ça, ça était visible. Ils n'étaient pas vrais. Ils étaient des méchants hommes. Mais parmi le peuple de Dieu. Mais la même épreuve ou le même épreuve ont confirmé Caleb et Josué. Ce qui est une épreuve, mais toujours comme un modèle et à Caleb et à Josué. C'est à cause de toutes ces épreuves. C'est à cause de toutes ces épreuves. Ils sont restés fermes dans la parole. Ils n'étaient pas ébranlés. Ils couleur nous croyons cette parole de la promesse. Ce message promis, nous le croyons. Et nous le gardons. Et nous l'obéissons. Ce message promis. Parce que ce message promis par Abraham. C'est un message promis par Abraham. Mais accompli dans le temps de Moïse. Mais cela est accompli à l'époque de Moïse. C'est comme ça, frère. C'est comme ça que nous croyons. Et aujourd'hui, dans ce troisième exode, l'histoire se répète. Ceux qui sont les vrais croyants du message promis pour cet âge, mais prévenons ces oyas pour y confirmer Nani Bazali. Nani Bazali. Qui sont-ils? Vous croyez Banani à Tavoué? Ils sont acteurs de l'épreuve. Même le vrai amour. On le connaît à partir de l'épreuve. Je ne sais pas pour rien. Christ a fait un mariage une seule fois. Il a fait un mariage dans Mbalamokote. Il nous a laissé pour que nous soyons testés. Nous soyons éprouvés. Voyez frère.
Et pendant ce temps, ici, il y a fiançailles qui nous mariage. Jusqu'au mariage. Le temps est épreuve. C'est le temps de l'épreuve. De couleur et monana. C'est là qu'il y a la couleur. De Ogokoya Okutamasiango, déjà touché. Oui, frère. C'est ça. C'est comme ça que nous nous croyons. Et bien aimé dans le Seigneur. Et si Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour que nous soyons testés. Nous soyons éprouvés. Nous soyons examinés. Oui, frère. Même tenté. Il nous a mis dans la chair. Pour que nous soyons tentés par le mal. Par le mal. Vous voyez? C'est ça. Ce n'est qu'après l'épreuve, après la tentation, les vainqueurs hériteront ces choses. Hériteront ces choses. Et le Seigneur nous promet, je serai son Dieu. Son Dieu, et il sera mon fils. Je serai leur Dieu, et il sera mon peuple. Croyez-vous cela? Amen. Ceux qui vaincront hériteront ces choses. Voyez, frère. Nous devons vaincre parce que le général Jésus a vaincu. Et sa victoire est notre victoire. Voyez, frère, comme il a vaincu, nous vaincrons aussi. Il nous a garanti la victoire. La victoire est à notre côté et dans le camp. Amen. Car le Seigneur est au milieu de nous. Le conquérant, le puissant vainqueur, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fête du monde. Est-ce que c'est clair? Il nous a montré comment combattre. Comment lutter. Lui-même combattit. Abundaki. Il combattit. Abundaki. Voyez, frère. Le matériel. Matériel qu'il utilisait. Arme qu'il utilisait. Dans le combat. C'est la même arme. C'est la même arme. Qu'il nous a donné. C'est la parole de Dieu. Il est écrit. Et il est aussi écrit. Et il a vaincu. Et il a vaincu. C'est ça, il est notre modèle. Nous allons vaincre. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Nous. Par celui qui nous a aimés. Voyez, frère. Et la victoire qui triomphe. Du monde, c'est notre foi. C'est pourquoi examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Éprouvons-nous nous-mêmes. Éprouve-toi toi-même. Je m'éprouve moi-même. Et cela, c'est pour savoir si je suis dans la foi. Si j'ai la foi qui a triomphé du monde. Vous voyez? Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Mais il n'est pas le seul vainqueur. Nous vaincrons aussi. Nous qui croyons en lui. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans sa sainte parole,
C'est notre foi. Dans l'écriture. C'est notre foi. Dans les promesses de Dieu. C'est la foi de Jésus-Christ qui nous a donné. C'est cette foi-là. C'était pour vaincre. Parce que nous croyons, comme le disent les Écritures. Amen. Amen. Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est clair? Oui, mon frère, ma soeur. Il nous faut des épreuves. Il nous faut des tests. Des examens. Des interros. Parce que le Seigneur a rien à y aller. Il nous connaît. Mais il veut que ceux qui nous connaissent pas nous connaissent. Oui, Abraham. Abraham. Notre père. Tata Nabiso. Voyez, frère. Abraham n'était pas devenu notre père de lui-même. Il ne s'est jamais nommé. Moi, je suis votre père. Non, c'est Dieu. N'appelez personne père. Parce que vous avez un seul père. C'est celui qui est dans les cieux. Mais vous êtes tous frères. Mais frères. Mais dans la Bible. Abraham est notre père. Notre père Abraham. Même Jésus. Le Seigneur le Rédempteur. Est appelé fils d'Abraham. Mais frères. Pourquoi? Cela est venu de Dieu. C'est Dieu qui l'a désigné ainsi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est nommé lui-même. Je suis votre Saint-Père. Avec Soutane. Non. Nzambala. Ouais, frère. Ce n'est pas ça. Nous croyons l'écriture. Nous croyons l'écriture. Vous voyez? Chaque chose a sa place. Et ce qui a lobby, si, dit, ne vous faites pas appeler. Bon, bien gâté. Voyez? Oui. Ne nous faisons pas appeler. Ne nous faisons pas appeler. C'est tout. Si, dit. Et n'aimons pas qu'on nous appelle. Si, gâté, bah, bien ou bien que nous bongo. Soyons appelés. Bien à ma bongo. Non. Ce ne sont pas des titres pour qu'on nous appelle. Oh, bah, so bien abiso. Ce sont des positions. Ce sont des positions. Dans le corps du Seigneur. Mais nous connaissons le don que Dieu a donné à l'Église. Aux uns comme. Mais ils appellent ainsi. Oh docteur. Oh docteur. Parce que nous sommes assis. Nous sommes tous des pasteurs. Oui, il y a un prophète. Où sont les prophètes? Oui, il y a un docteur. Où sont les docteurs? Oui, il y a un évangéliste. Où sont les évangélistes? Tout le monde est pasteur, pasteur, pasteur. Avec mon chauffeur. Non, nous sommes arrivés à un endroit. Na Zigida. À Zigida. Alors, na moni. Alors j'ai regardé. Garçon, un garçon est venu. Pasteur. Mais, pasteur. 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 Et le chauffeur est arrivé. Et le chauffeur s'est arrêté. Pasteur, pasteur, bonjour. Et le chauffeur est arrivé. Le chauffeur a répondu. Ganavé. Moi j'ai dit. En tout cas, frère Franck a raison. Frère Franck a raison. Quand il a dit, quand on t'appelle ainsi, peut-être tu ne les corriges pas pour les mettre à l'ordre. Donc tu n'es même pas appelé. Donc bien amité. J'ai dit, Samy. Samy. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Tu n'es même pas appelé. Bien amité à tata. Il a rigolé. À ce cas qui. Oh, balika, oh bien aimé dans le Seigneur. Frère, il y a des gens qui aiment ça. Il aime ça. Révérend. Révérend. Na téléphone ntenga baso bengana. Révérend. Révérend. Un jour, tu sais qu'on a réunion à Motang. Nous étions en réunion à Motang. À Motang avec frère Bolonga. Avec frère Bolonga, il était là. Réunion tu sais qu'on a Motang. La réunion qu'on a fait à Motang. Avant de venir ici. Quand tu sais. Quand frère Yasa. Le frère est là. Et puis. Et puis. Le vieux me présentait. Le vieux me présentait. Maintenant c'est le moment. C'est quoi comme il le révérend pasteur Joseph Liranga. Joseph Liranga. Aya. Je me suis levé. Na télémaki, je lui ai dit, le révérend est au ciel. Le révérend est là. Moi, je ne suis pas le révérend. Non, Zali, révérente. Et il y a un frère. Le frère Timothée. Timothée.
Il a dit, Alobaki, jamais n'a croisé un homme refusé d'être appelé. C'est toute ma première fois. Il reverra, pasteur. Mais vieux, il a beau y avoir. Il a refusé cela. Les gens aiment l'honneur. Les uns les autres. Ils aiment les expanser les uns les autres. Mais nous cherchons l'honneur qui vient de Dieu. L'honneur où tu es la gloire qui vient de Dieu. Vous soutenez. Pas autre chose. Amen. Amen, amen, amen. Zambé alingi biso. Dieu nous aime. Oh, bana banza. Oh, enfant de Dieu. Je crois, ngongana biso. Je crois qu'il est temps. Transport est difficile. Le transport est difficile. Yangoana. C'est pourquoi Zambé. Dieu. A koke kuimilie yo. Il peut t'humilier. Yé moko penza. Lui-même. Mais biso le to kwa humiliation. C'est nous qui ne pouvons pas supporter l'humiliation. Hein, ma sœur. Humiliation to mona. Humiliation tout ça. Ah. Moi vraiment, je suis humilié. Je suis humilié. Mais Jésus, comment il a été humilié? Il a laissé même nu. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas quel honneur nous cherchons là. Celui qui va nous donner l'honneur. La gloire. Voyez, frère. Lui-même. Il a été humilié. On l'a humilié. Il a été humilié. Et toi et moi. Quelle gloire que nous avons. Si ce n'est pas lui qui nous l'avait donné. Il y a des choses inutiles comme ça. Le Dieu de gloire. Il a été humilié. Il a été humilié à cause de toi et moi. Les hommes inutiles que nous sommes. C'est peut-être d'être humilié pour lui. Moi, mon problème, c'est mon honneur. Réputation. Ma réputation. Quelle réputation? Quelle réputation? Quel honneur? Quel honneur? Quelle gloire? Quelle gloire? Tu as eu où? Tu es qui? Yo, botaba na moi, tu es né d'une femme. Tu n'es pas un pécheur. Voyez? C'est des paroles inutiles. L'essence. Si à cause de la parole. Les choses t'arrivent. Supporte. Amen. Supporte. Yikampiko. Incroyable. Asa motoyo azangi endurance. C'est celui qui ne manque pas l'endurance. Il faut l'endurance. La persévérance. La persévérance. Kotikate. N'abandonne pas. Tangama na liloba. Attache-toi à la parole. Yoga écriture. Écoute l'écriture ici. Joalik. Joalik. Luc. Et en colo et moko, hein? C'est le Seigneur lui-même. Azel Sabayoko, il dit aux disciples. Il a dit quoi? Il leur a dit quoi? Chapitre 22 à Luc. Mon capo a tout mis balé à Luca. Verset 28. Mon longo a tout mis balé à Mwambe. Abiboy. Il dit ceci. Vous. Bino. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi. Vous allez balé bâti qui m'olende longo nangai. Dans mes épreuves. Quand tu n'as mis mes canons nangai. Dans mes épreuves. Quand il a mis mes canons. Le Seigneur lui-même. A joie y a yé mes canons. Ses épreuves. Azaki testé. Il était testé. Éprouvé. Il était éprouvé. Par le Père. Tata mekanye. Le Père l'a éprouvé. A testé. Le Père l'a testé. Il est passé par jusqu'à être tenté. Jésus a été même tenté. Nabasi. Par les femmes. Nakoyiba. Par les femmes. Par l'argent. Nabozui. Par la richesse. Nabilamba. Par les habits.
tenté en toutes choses. Il était tenté en toutes comme choses. Comme nous. Mais sans commettre des péchés. Mais moi et toi qui sommes nous. Toi banane. Nous sommes qui? Pour que nous ne puissions pas passer par les épreuves. Pour pas éprouver Bissot. Pour qu'on ne nous éprouve pas. Vous savez que tout enfant de Dieu, il faut aza tester. Il doit être testé. Il faut aza l'éprouver. Il doit être éprouvé. Il faut aza l'examiner. Il doit être examiné. Pour aza la confirmer. Pour qu'il soit confirmé. Ce que vous avez éprouvé au bananon sobalé. Les épreuves par qui peuvent être. Examen bananon sobalé. Par l'examen que tous les enfants partent. Donc tu es un enfant. Tu n'es pas un véritable fils. Quand ils sont restés fermes, ils ont montré la couleur dans les épreuves. Ils sont sortis vainqueurs. Et toi, tu les envies. Mais les cas par la voie par laquelle ils sont passés pour devenir comme eux. Si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui est PDG, parce qu'il a étudié. Parce qu'à Tangaki. Mais si vous voulez devenir la femme, passe par la voie par laquelle il est passé. Grâce à passe par les mêmes études. C'est comme ça. C'est comme ça. Et ça dit que vous souhaitez. Pas autre chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ton moni ango? Est-ce que nous l'avons vu? Est-ce que ton sosoli? Est-ce que nous avons compris? Avez-vous compris? Ton sosoli? Avons-nous compris? Ton sosoli? Éprouvons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la vie. Éprouvons-nous. Sinon, Dieu lui-même, il va nous éprouver, nous sonder. Nous sommes incapables de faire. Il va nous aider à le faire. Il va le faire pour nous. Voyez, frère. Bon, moi, bandeko. A quoi les sabis sont dans Jéro Wana? Nous passer par cette voie là. Vous savez, épreuve. Vous savez, l'épreuve. Que tu aimes, que tu le veux ou pas. Tu vas passer par là. Amen. Amen. Même si tu fuis. Même si tu fuis. Alanda yokuna ti yaka yaka. Yaka yaka. Viens. Passe par là. Passe par là. C'est une école. C'est une école. Il y a formation. C'est une formation. Il y a Kota Kola. C'est une Kotakoli. Kotakola. Kotakola. Kotawampokola. Tu es ici pour grandir. Vous êtes un vrai combattant. Pour que tu sois un vrai combattant. Parce que tant que tu as une formation, quand tu t'es mis la formation, ce que tu as mis, en tant que gendarme, tu sauras aider les recrues. Tu sauras les aider. Toi-même, tu n'es passé par rien. Moi, je suis soldat. Quand tu es passé par Kibomango. Quand Mobutu a changé, la police nationale, a sali gendarmerie. J'étais encore jeune homme. Il était encore jeune. J'étais encore jeune garçon. Et j'habitais l'école de police de Matete. Mon enfant à l'école de police à Matete. Parce que mon parent était intendant de l'école de police. À l'époque, il était général. Non. Inspecteur général Boto. À l'époque, il y a général Boto. Inspecteur général Boto. Il y a police nationale. Et la police nationale. Voyez, frère. Mon Bandeko. Je sais. Naïbi. Et Mobutu a dit terminé. La police nationale est un ministère de l'Intérieur. La police nationale. Pensez à la défense nationale. Tout le monde sera la défense nationale. Et pensez à la nationale, gendarmerie nationale. Il faut porter les bottes. Fini l'histoire des tergales. Les policiers portaient tergales. Les policiers portaient les tergales. Tergales, il y a des gens qui ont été mis à briller. Le corps est gabardine. Comme gabardine. Voyez, frère. Vous allez porter les bottes.
Baba Sokoto. Tout le monde Sokoto. On a tenu wana mobile. Tout le monde portera les Sokoto. Tout le monde portera les Sokoto. La tenue militaire. Eh, bien, on a les comme les policiers. Comme les policiers. Bazara, les policiers. Les comme des policiers. Les policiers. Pourquoi les policiers? Bazara, les policiers, bazara, les policiers, bazara, les policiers moi, les civils. C'était comme des civils. Ah oui, bon, ok, na, kibomango la formation. Kibomango la formation. La gendarmerie. De la gendarmerie. Voyez, frère. Vous m'avez dit, alors, Bissolokola, nous aussi nous sommes les soldats de la croix. Nous sommes les soldats de la croix. Il nous faut une formation. Et c'est la Bisso formation. Le soldat de la croix. Le soldat est Koulousou. Le bon soldat de Jésus-Christ. Le soldat de Jésus-Christ. Il nous faut la formation. Nous la formation. Formation militaire. La formation militaire. Voyez, frère. Bon, moi, le Seigneur n'a pas besoin de nous. Il nous faut ça. Comme ça, tous là-bas, véritables comme commandos. Ça, nous serons de véritables commandos. Donc, là, Mabouta Banegoloba. Comme on disait, Mabouta Nazariawa. Comme je suis là. Natia Kamayele Nangai. J'ai mon intelligence. Na Makanisi Nangai. Et mes pensées. Et pas y'a béret vert. Un peu de béret vert. Na béret rouge. Et béret rouge. Et le Seigneur peut nous témoigner. Et le Seigneur aussi peut témoigner pour nous. Que je sais que mon serviteur Jean, il est d'un tel côté. Mon serviteur est un tel. Voyez, frère. Il ne sera pas dans la confusion. Et son témoignage est vrai. Car lui-même est vrai. Son témoignage est grand. Car lui-même est grand. C'est comme ça que nous croyons. Si toi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Pela. Sois heureux. Si à cause de l'évangile, à cause de la parole, on se moque de toi dans les quartiers. Les femmes ne supportent pas l'humiliation. Les jeunes ne supportent pas l'humiliation. Ils sont dans l'école. On se moque de moi à l'école. Oh, bah, ben, angai, mamelo. On m'appelle ma soeur, mamelo. Oh, mamelo. Mamelo. Binonde ba mamelo. Vous des mamelo. Binonde ba anuarite. Vous des religieuses anuarite. Nous sommes des anuarite. Nous ne sommes pas des anuarite. Tobela bango, moi je suis une fille de Dieu. Tu m'as dit, moi, moi, si en Zambe. Tu m'as engendré. Zambe a bota kingai. Voyez. Comment il va? Il m'a engendré. A bota kingai. Na moi, nané à moi. Je suis sa fille. La fille du roi. Moi, la moi, si à mon conzi. Je suis la sœur de Jésus-Christ. Nazaline de comme moi c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et ça bongo. Kuyoka sonité. Il faut pas pakano wana ba yoka binoson. Les païens doivent avoir honte de vous. Comment ni? Vous voyez? Yende abanga yo, yoko banga. Tu vas perdre toi non. Vous pouvez dire mon pagan. Les païens c'est un païen. Ngai tant on andimaki. Moi quand j'ai cru, ba pakano nyoso ba doko. Tous les païens ne me supportaient pas. Na banga bo pagano. Moi je veux pas de toi. Les païens vont fuir là où je suis. Je appelle tous les pays Yuma. Yuma. J'appelle Yuma. Yuma, tu es Yuma, tu sors la cigarette. Toi, tu prends la cigarette. Hein, vous allez fumer. Tu fumes. T'as une langue. Vois comment tu es. Vous allez sentir, vous allez Yuma. Tu vomis, tu es Yuma. Vous êtes bien tâté. Yuma, on a bleu. Vous êtes bien tâté. Mais c'est à vos coups, vous êtes bien tâté. Et là, vous êtes beau maillot. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Vous êtes clair en quoi? Tu es clair en quoi? Tu es clair en quoi? On est clair. Clair en quoi? Clair en quoi? Est-ce que vous suivez? Il ne faut pas avoir peur des païens. Vous ne devez pas payer devant les païens. Tu baisses la tête. Tu trembles quoi? Tu trembles quoi? Je sais mon anjab yolé nanini. Et puis de tu pleures, tu as tremblé pourquoi? Vous savez que ta vie, conduite na yo, ta conduite devant les païens, c'est comme un coup de tonnerre. Oui, tango kake nguruma. Même si tu manges. Même si tu manges. Au catifoufou. Stop. Au télémission merate. Tu n'avales pas. Boum. Babouchou va crier. Le bon anneau, c'est des ivres à quoi le Saint-Esprit tombé sur. Seigneur Colo. Hein? C'est comme ça. C'est ça, bongo. Les païens. Bapagano. Tant que vous avez un millier de personnes, vous allez vivre l'évangile. Vit, l'évangile. Il n'y a eu de quoi la coup de tonnerre. C'est comme un coup de tonnerre. Boum. Bon, Dieu peut permettre. Pour éviter pour les savons pas pourquoi cette leçon.
Tu es évité. On ne sait pas. Ni n'angoi koko manasi. Qu'est-ce qui va arriver après? Yebaka ke makamwe komela ka yawana. Chose qui t'est arrivé là-bas. C'est Dieu qui t'avait humilié. Zambende a sambisa kio. Amen. Ouais. C'est Dieu qui t'avait éprouvé. Zambenda meka kio. Il a voulu ainsi. Alinga kia zala bonga. Au passé na makambo. Que tu puisses passer. C'est pour ton bien. Ezali pona bolamu. Pour ta formation. Pona konforme yo. Pour ta confirmation. Pona kondimisa yo. Maintenant, tu dois savoir. Peut-être que tu es un peu plus grand. Peut-être que tu es un peu plus grand. Alors, tenez-vous bon dans la parole. Vous êtes debout dans la parole. On s'accroche dans la parole. La parole. Peu comme on en que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tosi to 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 tosi liko senga etumba. Couplet moko pambe puis t'abonner. Un seul couplet, on va prier. Tosi liko senga etumba. Na satana pena masumu. Tosi liko te. Thank you.
Chaque bilolo a beaucoup à consommer la vie nationale de ce que ça. Frère Jacques, qui me l'opère, vient prier, vient en fait, je vais continuer. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ta pure parole de ce soir. Seigneur, qui parmi nous qui peut te résister? Nous sommes les œuvres de ta main. Tu es le potier, nous sommes des pots. Tu nous tailles conformément à ta parole. Seigneur, si nous arrivons de passer dans des moments difficiles, c'est parce que Dieu a fermé nous dans la foi. Nous voulons rester dans les moments difficiles, toujours fidèles à toi. Seigneur, que ce soit les humiliations, tu es notre modèle. Ta nature, la créature elle-même, avait craché sur toi. Amen. Nous pouvons nous asseoir.
Lokola tuyukaki bandeko bamoko bandeko na biso ndako esika bavanda kaizikaki awa ndeko akopesa biso précision ndeko Jérémy Sabwe azali moko basungi na biso akendeki sur les liés abina koya lisusu mbala moko pona yoso na kukanisela biso dossier ya lobby loleki oyo na lobake na ntina ya bandeko na biso bayendako ezaki ya kozika na ntango na bandai koloba nazali koloba mingi koleka kaka na ntina ndeko moko oyo kombo eza Stéphane nzoka nde bandeko kati na nkolo bo bazwamaki to baza na ndako ena eza bobele ndeko Stéphane te ye aza lokola kulutu me bandeko basu bazali babale donc motango na bango banso baza basatu bandeko mibali mibale na ndeko mwasi moko bango tusambelaka na bango awa ndeko Stéphane mwasi na ye aza pe marie me mwasi na ye tusambelaka na ye awa te ondre ndako yango ezaki ya bato banei basatu bandeko na biso oyo ya mwasi aza na mbula zomi na misato 13 ans au moins sœur aza na 13 ans oyo ya mobali mosusu moko aza komo na Israel aza na mibu zomi na libwa 19 ans Israel 19 ans Naomi 13 ans ebongo oyo ya mokolo Stéphane ye asi akokisi 25 ans alobi bilamba nyonso na bango ezikaki mbeto to bambeto ezikaki matela ezikaki bamoustikere ezikaki kiti bakovandaka mpe na biloko bisusu ya motuya ya valeur nyonso ezaki ya kozika comme ça tokoki kokanisa bango dieu voula si on a quelque chose topesi na badiacre ebongo dimanche tokorekolte yango mpona kopesa bango alo ndeko moko abandaki kotuna si possible d'avoir les tailles de nos frères et sœurs dont la maison avait pris feu. Cela pour avoir une idée, par exemple, ce que Azande Gobobali, taille que vous allez voir à Nani, de commencer taille à l'Ogola Nani, pour tout le monde, chemise en dingue, ce que Moutouago, quand sa chemise, pantalon en dingue, numéro 1 de la sapate, puis robe en dingue. Voilà. Frère Jémy, est-ce que tu es taille à l'Ogola Nani? L'Ogola Nani? Taille, c'est l'Ogola Nani? Jamais. Est-ce que tu crois qu'on estime, selon Frère Jémy? Tu estimes ta âge? Zila. Petit témana. Vous avez un boulot? Hein? 17 ans. 17 ans. Ah, petit, hein? Mineur, 17 ans. Tu crois que 19 ans, les gars, ils sont là. Tu crois aussi? Frère Moïse. Vous avez un boulot? 66 ans. Donc, il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui ont jeté, pardon. Il y a des gens qui ont jeté. Alors, frère, j'ai mis à l'objet pour nous. Il y a des gens qui ont été dimanche. Mais quand vous avez estimé, ou bien frère Bolong. Banouya, il y a des oui, à 13 ans, on a pensé qu'il sert. T'es un homme, non, ma soeur. Oui, c'est ça.
C'est à peu près. Hein? Et allez qui est mort, oui, allez qui est. Oui, allez qui est mort, mais. C'est tellement dans ça. Ah, oui, c'est à peu près. Il y a un peu ça qui lobby. Lobby n'a pas ça qui. C'est comme dans le monde. Hein? Combien, frère? Hein? 14. Donc à peu près, c'est ça. Est-ce que mi bali baligi na mulai? Mi bali nyoso mbali wa. Bon, pour nangai estimation et dit tellement. C'est à peu près le que dit. Et Dieu t'a lâché, dit. Y'a un monde qui est pour la boue. Ah, quarantaine. Allez, qui s'y vous trouve, alors, Seigneur. Le gars, il dit. Frère Bantu. Frère Temanan. Frère Temanan. Ah, tellement, y'a un monde qui est en vente. Azaboué. Tada. Vous l'avez dit, Wana? Ah bon? Hein? On m'a dit. Parce que je connais leur papa, à moins que nous ayons sa diversité. Ça va. Mais ça, là, le coup, l'a dit. C'est le coup, l'a dit. Ce que peut-être dire, Mounen, et ça, elle a dit, Badimina. J'ai vu, tu as oublié la femme. T'es malade. Frère, vous en avez combien? 58. Il y a un autre qui dit que Yoko t'a acheté. Voilà. Je suis ton moni à peu près, à peu près, à peu près. Mais le gars, la vieille, il a été. Comme il a été, le gars, la vieille char de Wana, comme il a été. Wana, il a été comme un. Bon, pour aller l'autre, tout ce que vous avez. Frère, il y a un autre qui dit que vous avez. Tosi liko senge tumba. Bien talandenge bazako kama biso. Page 24. Dimanche, Dieu plan de Tokuta quand on pose la construction de. Oh.